Hello mes petits drivers. Avant de regarder la vidéo, je voudrais vous parler de l'Olivia Assurance, qui est un de mes partenaires. Si vous voulez bénéficier de 50 euros de réduction sur votre contrat d'assurance, ben, il suffit juste de cliquer sur le lien au-dessus et de rentrer le code promo qui est là aussi à côté. N'hésitez pas, allez sur l'Olivier, faites un devis et vous bénéficierez grâce à ce code promo de 50 euros de réduction sur votre contrat d'assurance. Voilà, allez, c'est... Préparation, permis Creteil. Bravo, très bien. Oui, elle t'a fait un refus de priorité. Elle a grillé le CD le passage. Ah, très bien. Et nous irons toujours tout droit. On suivra la direction du port, le port. S'il y a une voiture, tu l'aurais laissé passer. Oui. Toujours tout droit. Tu sais, quand il y a des intersections comme celle-là de derrière, là, ouais, tu vois pas, tu mets le pied devant le frein et t'arrêtes d'accélérer. Okay. Que là, tu lâches jamais l'accélérateur. Je sens même que t'accélères en fait quand tu fais ça. Tu vois, là, la même chose, tu vois, tu regardes partout. Voilà. Et on va toujours tout droit. Si tu sais bien adapter ton allure ou pas. Direction quartier sud.
intersection, on ira en direction de l'autoroute. Le placement est très bien, c'est nickel. Mais... Et quand tu juste mets pas de clignotant au début, ça sert à rien. Okay. Tu le mets pour sortir. La preuve, il s'était enlevé après. Ouais. Voilà, donc ici, c'est vraiment un parcours là de trajectoire. C'est-à-dire, bah, si tu ne sais pas trop à droite, trop à gauche. S'il y a un véhicule devant, si tu vas pas serrer ta droite, c'est pour ça que ils peuvent venir par là éventuellement. C'est... Les erreurs peuvent être fréquentes sur, cette route. Et à l'intersection, nous irons à droite. Okay. Pas besoin de mettre, tu m'as dit. Merci. Oh, d'où le fait qu'il faut pas se précipiter. D'accord. Première à droite, direction pointe du lac. Ensuite, nous irons à droite. Donc, beaucoup de pièges ici, tu vois, des feux, des voies de bus. Des... Ouais. Faut juste être. Faut pas se précipiter encore une fois. On ira à droite. C'est bien parce que les voies de bus, du coup, elles sont d'une autre couleur ici. Du coup, tu peux facilement les. Toujours tout droit. On va tourner à droite là, dans le parking ici. Garé ici à droite. Voilà. Ouais. En marche arrière. Oui. C'est à allure lente, toute sécurité. Voilà. Ok. On l'a pris. Ouais, ça va, je suis. Ok. Bon, tu sais, mets point mort, frein à main, ou coupe le moteur si tu veux. Tu peux couper sinon. Donc là, tu vois, quand tu appuies sur ça, ça enlève le point mort. Ouais. Enfin, ça met le point mort, ce que tu avais pas fait là, c'est pour ça que tu as été un peu surpris. Ok. Surprise. Qu'est-ce que je voulais dire? Tu sais, il y a des questions de vérification maintenant. Donc je t'avais envoyé les documents ou pas? Ouais, mais j'avais déjà eu. Ok, bon bah voilà, c'est quoi les deux derniers chiffres du compteur kilométrique? 103. Ouais, donc ça sera ça la question que tu aurais par exemple là si on était au permis. Encore une fois, on peut connaître les questions à l'avance, le jour du permis, parce que quand la voiture elle est à l'arrêt et qu'on attend l'inspecteur, la voiture ne roule pas, donc le kilométrage ne n'avance pas. Mm-hmm. Comme je sais que tu ne feras pas plus de 10 km, je peux donc anticiper les questions à l'avance une demi-heure avant que tu passes le permis, puisqu'on va rouler une demi-heure en. Ok. Voilà, c'est juste pour te prévenir ça. Donc, je ne vais pas forcément m'étaler sur les questions de vérification qui n'existaient pas, enfin qui ont arrêté pendant 2 ans d'être dites et qui reviennent là. Voilà, on ne comprend pas trop c'est quoi l'objectif de les remettre puisque tu as au moins des millions de personnes qui ne les ont pas eu au permis. Donc, la question 63, on va la faire. Montrer sur le tableau de bord le voyant indiquant une baisse de pression d'un pneumatique. C'est là. Non. Alors, ça, pour allumer tous les voyants, tu dois savoir comment on fait. Il faut appuyer sur le bouton start une fois, sans la pédale. Et là, tu as tous les voyants allumés. Ah oui, tous les voyants sont allumés. Et tu dois me montrer donc, le voyant du pneumatique. Disons, la pression, elle est... C'est celui-là, là-bas. Et c'est où? À droite. C'est là-haut, là? Oui. Non, le rouge, c'est pas ça. Ça veut dire qu'il y a une perte du liquide de frein, ça. Un problème de freinage. Ensuite, là, ça veut dire qu'il y a un problème de direction. Ouais. Ça veut dire qu'il y a un problème de batterie. Tout ça, c'est rouge, il faut s'arrêter. Okay. Voyant particulier orange là-bas, il faut absolument t'arrêter aussi. Okay. Le frein de parking. Ensuite, il y a en bas, pression des pneus, ABS, perte d'adhérence, l'entretien et les actifs. Okay. Pardon.
Parce que je confonds toujours celui-là avec celui-là. Pardon ? Celui-là, enfin, il se ressemble un peu. Ouais, c'est ça. Et ben non, en fait, mais celui-là, ouais, non, c'est les pneus. Voilà, okay. Ça représente un pneu avec un pneu au sol écrasé avec okay. Un point d'exclamation. Puis généralement, ils sont ensemble, les trucs au niveau des pneus, tout ce qui va être sécurité du véhicule, enfin, je veux dire, tout ça en bas là. Ils vont pas les dispatcher partout. Mmh. À quelle fréquence est-il préconisé de vérifier la pression des pneus ? Quelle fréquence ? Bah, tous les jours, toutes les semaines, tous les ans ? Toutes les semaines, je dirais. Et non, c'était tous les mois. Ouais, c'était un peu trop. Qu'est-ce qu'un arrêt cardiaque ? Ouais, c'est quand il y a tout qui arrête de fonctionner. Non, c'est quand le cœur ne fonctionne plus, ou ne fonctionne pas très bien. C'est un arrêt cardiaque. Ok. Bon, tu reverras toutes tes ouais, questions là, en vrai. Hein. Ok. On repart. On ira à gauche. À droite. Alors je sais que ça te démange. Maintenant, oublie pas, il y a un virage, il n'y a pas de visibilité. Tu le fais trop tôt, il y a une voiture qui arrive devant, t'es foutu. C'est ça. C'est ça la conduite académique, c'est de ne pas se précipiter, de prendre ton temps, tu vois, de s'il faut s'arrêter par mesure de sécurité alors qu'il n'y avait personne, bah c'est pas grave, tu t'es arrêté, tu savais pas, tu étais dans le doute. Et ensuite on ira à droite. À gauche. Donc retiens bien ce qui se passe ici, il y a beaucoup d'informations ici. Si tu venais à passer par ici, je vais t'expliquer là. Beaucoup d'infos et beaucoup de choses que tu pourrais rater bêtement. Premièrement, il y a un feu, d'accord, qui est rouge. Il va certainement passer à l'orange clignotant. En bas, là, il y a un bouton là, au niveau du poteau. Si okay. Le piéton veut passer, il appuie sur le bouton et le feu change de couleur. Okay. Ça, c'est d'ici jusqu'à là-bas. Ensuite, il y a encore plein d'obstacles là-bas où il y a l'auto-école. Où il y a l'auto-école, là, il y a un CD de passage par terre. Tu vois, tiens, orange clignotant en bas. Voilà, donc il n'y a pas de piéton, on peut y aller. Maintenant, tu as un CD de passage auquel tu dois céder à gauche. S'il n'y a personne, arrête-toi ici, je vais t'expliquer un truc. Il y a un feu rouge clignotant là. Tu vois, s'il est rouge clignotant, ça veut dire que le bus, il est là-bas. Et donc, si tu y vas, t'es éliminé. S'il n'y a personne à gauche et que le feu, il est rouge clignotant, tu y vas, t'es éliminé. Okay, il pilera. Il faut qu'il soit éteint et qu'il n'y ait personne à gauche pour que tu puisses aller à gauche, toi aussi. Okay. Dès que possible, tu peux aller à gauche. À toi de voir. Donc, il faut vraiment à gauche. Donc, voilà, dans l'idéal. Tu pourrais effectivement rester à droite si tu ne savais pas où on va. Et dans, on peut expliquer ça après. Voilà. Et maintenant, contrôle à droite, clignotant à droite, changement de fil. On se place à droite. Voilà. Donc, toujours tout droit. Je vais réexpliquer un peu toute cette situation qui est un peu complexe. On va tourner à droite. Donc dans cette situation ici, si vous ne savez pas sur un giratoire où on va, si vous avez un doute, on reste bien à droite. Que tu ne sais plus, que tu as un trou de mémoire, reste à droite et prends tout, reste sur la partie de droite pour aller à gauche. C'est pas un problème. Moi là, je t'ai fait aller à gauche parce que je voulais le faire propre. Mais si tu ne comprends pas, reste à droite et prends toutes les sorties de droite, d'accord ? Jusqu'à ce que tu sortes. Okay. Et encore une fois, ne fais pas de changement de fil pour rien à l'intérieur du giratoire. Si tu es à droite dès le début et qu'il t'a dit d'aller à gauche, ne te mets pas à gauche à l'intérieur pour ressortir après à droite. C'est prendre des risques pour rien, d'accord ? J'explique vraiment toutes les situations qui peuvent être compliquées sur ce centre d'examen. L'objectif, c'est encore une fois, c'est que tu l'aies. Hein. C'est... Faut aller vite corriger les choses qui peuvent être mal interprétées. On ira toujours tout droit. En général, l'inspecteur, il te fait aller à gauche là pour faire de la voie rapide, mais moi, je vais continuer sur un autre parcours.
parce que ça fait pas longtemps, ça fait 15 minutes et que c'est assez fluide. Donc qu'est-ce que tu vois comme information devant toi? Là? Non, devant. Ah, ouais, bah, c'est une intersection dangereuse et en priorité à droite. Voilà, donc t'accélères pas, tu freines pas non plus, tu mets le pied devant le frein, tu tournes ta tête et tu dégages dès qu'il y a personne. Et le terme, c'est vraiment dégager, je dégage de l'intersection. Et je veux que tu aies ce comportement à chaque fois que tu n'as pas de visibilité et qu'il n'y a pas de signalisation, pas de panneau, pas de feu, rien. Donc que tu as détecté que c'est... Tu mets le pied devant le frein. Parce que freiner s'il n'y a personne, tu freines pour rien. Toujours tout droit. Si tu veux déjà le fait d'arrêter d'accélérer, elle ralentit. Mais elle ralentit doucement. Tu freines, elle ralentit fort. C'est pas ça qu'on veut. S'il n'y a personne, pourquoi tu as ralenti fort? Direction les Sarrasins, Coteau du Sud. Essaye de le faire un peu plus en angle droit la prochaine fois. Ah, parce qu'il y avait un... Ouais, il y a un cédé le passage sur le côté. Toujours tout droit. Derrière la voiture noire, okay. La place est suffisamment grande, on va à allure lente, en toute sécurité, on a le droit de s'appuyer sur le trottoir, mais on n'a pas le droit de monter dessus, on sera éliminé sinon. Okay. Je te laisse faire. Je te laisse faire, mais il n'y avait pas besoin de tout recommencer. Hein. Oui, il fallait que je recule un petit peu. Voilà, c'est ça. Bon, bah voilà. Donc quand il y a une erreur à la manœuvre, au créneau à droite ou à gauche, c'est en général le contre-braquage qui est mauvais. C'est pas le point de départ, c'est pas le repère initial, c'est juste après. Donc en fait, il suffit de ressortir en diagonale et prendre un autre angle pour que la voiture soit garée. Oula, je trop brusque. Ok. On est garé? Ouais, je pense. Effectivement, on est sur la partie. On est garé, on n'est pas parfait. Elle est un peu de travers. Elle est un peu de travers. Mais elle était garée. Donc, quand tu gares, c'est toi qui décides pour avoir frein à main, c'est pas moi. Donc, c'est toi qui décides quand c'est fini. Et neutre. Voilà. Là, c'est fini. N'oublie pas que sur cette voiture, tu appuies sur stop. Même si tu es sur D et qu'il y a le frein à main désactivé, ça met tout direct. Okay. T'appuies là, ça éteint la voiture, ça met point mort et frein. Oui, oui, ça j'ai... Ok, ben on va pouvoir repartir, on ira à gauche. On ira à gauche.
gauche. Et à l'intersection, nous irons à gauche. Nous irons à droite, au bout de la rue à droite. Et ensuite, nous irons à droite. On va débuter la conduite autonome, on suivra la direction de Créteil Centre, enfin pour le moment. Ça marche. On suivra la direction du Mont Méli. Alors, juste un truc, fais gaffe parce que tu vois, c'est à partir d'ici que la limitation elle est finie. Tu vas accélérer. Direction Montmélie.
s'arrêter au feu, nous irons à droite. Tu vois, TikTok, ça fait ça. C'est ouf. C'est ouf. En 28 jours. Oui, il y a mec. Eu des pics de ouf. Il y a eu des pics à ça. Mais tu t'es lancé il y a pas longtemps. Oui, mais c'est pas grave, c'est parce que c'est tous tes followers de YouTube qui sont venus te. Même pas, je même pense pas. Parce qu'en fait, YouTube, ça marche plus en fait. Ça marche méga mal, YouTube. Ils sont en crise, regarde. Tu vas être choqué. YouTube, ça fait ça de vues. Et regarde ce qu'ils me donnent. Ah ouais. YouTube, ils ont craqué. Ça fait un mois que c'est que ça. Deux mois que ça. En fait, depuis que je suis venu sur TikTok, c'est parce que YouTube, est le mois où ils ont. Où je vois qu'ils ont pété les plombs, je fais vas-y, salut. Ah, t'as bien fait, putain. J'arrête. TikTok, c'est un truc de dingue. C'est ouf ce que tu peux toucher quand même. T'étais éliminé. Eh ouais, désolé. On ira à droite. Après, s'il voulait mourir, bien sûr, on s'arrête. Mais il faut pas l'inciter. Quand c'est à moi de passer, c'est à moi de passer. C'est pas au piéton. On est revenu ici ? Ouais, on ira à gauche ensuite. Donc tu reviens bien à droite, s'il te plaît. Et là, tu tournes à gauche. Et je prends bien large. Voilà. Et tu prends du côté, voilà, à être à droite. Parce que l'entrée et la sortie, elle est à double sens. Voilà, bon écoute, c'était pas trop mal. Je t'ai quand même fait beaucoup d'arguments sur certains points. Je veux que tu retiennes les endroits où on a été, toujours tout droit, et les arguments que je t'ai donnés parce que c'est pour éviter de faire une erreur éliminatoire bête. Et comme tu as pu le voir là-bas, le rond-point avec toutes les informations qu'il y avait, il faut vraiment que tu aies l'œil partout. Ne te précipite pas. Ce que je peux te dire surtout aussi, c'est d'avoir le pied sur le frein aux intersections où il n'y a pas de visibilité. D'accord ? À gauche. Donc c'est important de bien avoir le pied sur le frein dans ces situations-là. Au bout de la rue, on va s'arrêter le long du trottoir. Et j'espère que cette vidéo t'aidera et aidera d'autres personnes éventuellement. Tu as plutôt bien conduit dans l'ensemble.